السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله. Cette soirée du samedi 4 Jumada, 4 Jumada, l'Oula, 1434 de l'Égir, correspondant au 16 mars 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous sommes, inshallah ta'ala, avec le hadith 62, dans la deuxième partie du hadith 62, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, je commence, inshallah ta'ala, par citer le hadith. Une seconde. Non, je commence, inshallah ta'ala, par citer le hadith. Et voir où on s'est arrêté, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, le hadith, si vous vous rappelez, Naam, si vous vous rappelez bien, le hadith c'est. Tayyib. Bab. An ibn Abbas, qala kuntu khalfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yom. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sa'anta fasta'in billah. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الشيخ الألباني رحمة الله، عفوا، قال المؤلف، قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقال الشيخ صحيح كما في المشكات 5302 وظلال الجنة صفحة 318-316-318. الأخ الجزائري، الأخ الجزائري، تفضل إن شاء الله تعالى تولي une fois le hadith en français. تفضل إن شاء الله تعالى تولي le hadith en français بإذن الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، enfin, je remonte au hadith. Je bloque. Barakallahu fikoum. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, car la soit satisfait de lui et de son père, anhumah, a dit: j'étais un jour derrière le prophète, alayhi salam, en croupe sur sa mule. Et il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as demandé quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as imploré assistance, implore assistance auprès d'Allah. Sache que si la communauté est d'accord, à l'unanimité, pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aura assigné. Et si elle est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien. Sinon dans la mesure où Allah en aura ainsi décidé à ton encontre. Certes, les calames sont levés et l'encre des feuilles a séché. Jazakallah khairan, barakallah fik. Donc, on était arrêté, je me souviens bien, d'abord parler de, c'est une sorte de révision, on avait parlé que, lorsqu'il a, on avait expliqué lorsqu'il a dit que, si tu as insistance, alors implore Allah subhanahu wa ta'ala, demande assistance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que c'était interdit, là, ou plutôt, pour demander assistance à une personne, fermée. C'est permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Il a dit, si quelqu'un peut être utile à son frère, qu'il le soit. Donc, sauf que les gens peuvent nous être utiles et on peut être utile aux gens. Mais il y a des conditions. La première, il faut que la personne à laquelle on veut demander de l'aide soit vivante. Si on demande aux morts, on a fait du shirk.
Et le shirk, Allah Ta'ala ne le pardonne pas si on le rencontre avec. Et il le pardonne si on fait repentir avant de mourir. La deuxième condition, il faut que la personne soit présente. On ne peut pas demander à une personne qui est absente, on lui demande de l'aide. Sauf bien sûr, si c'est par exemple par téléphone ou par écrit, on lui envoie une. Mais nous, on parle d'une personne qui est absente et nous, yani, on l'appelle par exemple par son prénom, on lui dit aide-moi, aide-moi. Alors qu'elle est absente, qu'elle n'est pas là. La troisième condition, on avait dit que il fallait que la personne, quand elle est vivante, elle est présente, il faudrait qu'elle soit capable d'aider. Hein, une personne qui puisse aider. Et on avait l'exemple de, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est sur une chaise roulante de se lever, de venir nous aider. Non, il faut que la personne soit capable d'aider. Ensuite, un peu plus loin, on a dit que. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il avait dit que, je cite ici le hadith, Inna Allah ta'ala la yu'ayyidu ad-din ar-rajula bil fajr. Al Sheikh al-Albani sahih. On dit le hadith 18-13 fi sahih al-Jami'. C'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam a dit que Allah faisait triompher. Allah fait triompher, triompher avec ER, cette religion par l'homme pervers. Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher cette religion par l'homme pervers. Et on avait cité pourquoi? On avait dit que lors d'une bataille où le prophète était présent avec les compagnons, il y avait un compagnon qui avait, mashallah, tué de kuffar, et à la fin, il s'est laissé, il n'a pas pu supporter, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres, il a dit, Allah Ta'ala fait triompher cette religion par l'homme pervers. Donc celui qui s'est suicidé, au moins c'est un pervers. Ou bien il est kafir ou bien il est pervers, il n'y a pas autre chose. Kafir, s'il dit que c'est permis le suicide, et pervers, s'il dit je reconnais que c'est interdit, mais je me suicide. Il a fait un grand péché, il est pervers. Donc, cet homme-là qui s'est suicidé, mais quand même, Allah Ta'ala est témoin que il a quoi? Il a tué combien de kuffars? Donc Allah Ta'ala a fait triompher par lui, par ce pervers, sa religion lorsqu'il a tué plusieurs kuffars avant de mourir. Al-Muhim. Vous savez qu'Allah Ta'ala, quand il veut faire triompher sa religion, il utilise toutes les créatures. Il utilise le kafir. Il utilise les animaux, s'il veut. Non. Il utilise le vent. Il utilise les anges, comme il les a utilisés, Ghazwat Badr. Et comme ça. Non. Donc, c'est tout l'univers qui lui appartient. Il le régit comme il veut et il le met pour la cause de son dîn quand il veut. Naam. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer par lorsqu'il a dit. Sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à la fin du hadith, je reprends le hadith ici, bi'idhnillahi ta'ala, le hadith, lorsqu'il a dit, à la fin, dit, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. C'est-à-dire, sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, ils ne pourront faire ce bien que dans la mesure si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit. Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit. Si Allah ta'ala ne l'a pas écrit, personne, des gens et des djinns, s'ils vont se mettre d'accord pour te faire un bien, tout petit qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront faire que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans cette phrase que la communauté, là où toute la nation va se mettre à l'unanimité d'accord, pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront faire ou bien te donner un bien que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Le shir dit, fa'ida waqa'a minhum naf'un laka fa'lam annahu min Allah. Le shir dit, si jamais un bien t'arrive des gens, il faudrait que tu saches que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est un bien de bien. Des gens, il faudrait que tu saches que ce bien vient d'Allah subhanahu wa azzawajal. لأنه الذي كتبه car c'est lui qui l'a écrit. Il a écrit dans la tablette préservée. Naam. فلم, mais remarquez, فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Avant cela, la preuve que tout bien qui nous arrive, vient d'Allah subhanahu wa azzawajal. On peut le prendre du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فالله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون النحل 53 النحل 53 et tout ce que vous avez vous provient comme bienfait d'Allah Ta'ala l'âme vient de lui et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah c'est ça le, ce que je voulais dire et ce qu'a voulu dire aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout bien qui vient tout ce que vous avez comme bien ou bienfait, comme ni'ma, comme grâce, provient d'Allah. Non. Il n'y a pas une autre, un autre qui peut nous donner un bien. Donc, puisque ça provient d'Allah, on commence par le remercier lui, à la, au moins dans notre cœur, en reconnaissant que ça vient de lui. On avait dit que ce n'était pas interdit de remercier les gens, mais plutôt que on avait même dit que celui qui ne remercie pas les gens qui ont été la cause du bienfait n'ont pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'a pas remercié Allah celui qui n'a pas remercié les gens. Mais je remercie Allah, je remercie les gens en mettant dans le cœur que yani pour avoir été la cause, c'est tout. Mais c'est pas vous la base de ce bien. La base de ce bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, vous avez été la cause. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, supposons, il y a un billet de 100 euros, par exemple, qui était loin, et il y a un vent qui est, et il l'a ramené comme ça devant moi, il l'a poussé devant moi. C'est qui la cause? C'est le vent. Mais, en fait, c'est qui la base? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui avait écrit dans la tablette préservée, et il avait donné ordre à ce vent de me ramener quoi, ce billet d'euros et me le jeter devant mes pieds ici. Donc, je remercie les gens, mais je mets dans mon cœur que si ce n'était pas Zawjal, mais ce bien ne me serait arrivé. Ensuite, il dit ici, il dit quelque chose d'important, le Cheikh Rahman l'a dit. Il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, « لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك » بل قال لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que si les gens allaient être à l'unanimité pour te faire du bien, ils ne le feront pas. Non, on n'a pas dit ça. Mais que s'ils se mettaient à l'unanimité pour me faire du bien, ils ne me feraient que le bien qu'Allah Ta'ala m'a écrit. Vous voyez la différence? La différence c'est que pour que tu saches que les gens peuvent t'aider, naam, mais ne peuvent, parce que le hadith n'a pas dit ne peuvent pas t'aider, mais il a dit ne peuvent t'aider quand, ça, quand la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a écrite, quand la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a écrite. Donc les gens, comment peuvent aider, le prophète sallam a dit, celui qui peut aider son frère qu'il le fasse, rapporté par muslim, mais ils ne peuvent m'aider que de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a écrit. Le Cheikh dit, il a dit, et le contraire est aussi vrai. Si jamais toutes les personnes, tous les gens du monde, tous les êtres humains se mettent d'accord avec les djinns, pour me faire un quelconque mal, ils ne pourraient le faire sauf me l'a écrit contre moi. Sauf si Allah Ta'ala m'a écrit ce mal contre moi. Donc, si on comprend ça et convaincu de ce hadith-là, le hadith ou l'iman bihada yistalzim an yakoun al-insan muta'alliqan bi rabbihi wa mutakilan alayhi la yahtam bi ahad. Il a dit, donc, ça devrait nous pousser à ce que notre cœur soit toujours dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on place toutes les affaires entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne soit occupé
paix. Car maintenant on a compris que, sauf Allah subhanahu wa ta'ala donner le bien. Et sauf lui, s'il a écrit le mal, il peut arriver. Sinon, il ne peut pas arriver. Donc, on doit apprendre ni à espérer des gens, ni à avoir peur des gens, les deux. Ni j'espère, ni j'ai peur. Il a dit. Et ainsi donc, il va seulement espérer Allah subhanahu wa ta'ala et n'attendre que de lui. Et il ne donne pas importance aux créatures, même si tous, ils vont décider d'être à l'unanime pour être contre lui. ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين. Il a dit, c'est pour ça que si on voyait les salaf avant nous, les salaf qui vraiment avaient le tawakkul, la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, quand ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on a trouvé que les gens n'ont pas pu leur faire du mal. Les envieux et les jaloux n'ont pu les envier et les jalouser. Et il a cité le Ali Imran 120. Il a cité le verset de Ali Imran 120 où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous endurez un pieu, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Donc c'était Ali Imran 120. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. C'est ça le témoin. C'est ça le témoin. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا. C'est-à-dire, mais si vous êtes endurant et pieux, leur stratagème, leur manigance, leur rien ne vous causera aucun mal. Subhanallah l'adhim. Deux conditions. Si vous êtes endurant et pieux, pourquoi ajouter pieux? Pourquoi il ne s'est pas suffi de endurant? Parce que l'âne est endurant. L'âne, il reste sous le soleil. Il est endurant, il n'y a pas plus endurant et plus patient que lui. Mais l'âne n'est pas pieux. L'âne n'est pas pieux. Allah Ta'ala a dit, si vous êtes endurant, patient et pieux, alors leur ruse, leur stratagème, etc., ne te fera aucun mal. Bi'idhnillahi Ta'ala. Non. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Je vais reposer le hadith à la fin, c'est-à-dire où est-ce qu'il a dit. Voilà. Certes, les kalam sont levés. La dernière phrase. Les kalam, l'aqlam, les plumes. Les plumes et l'encre des feuillets a séché. Khlas, c'est trop tard. Les kalam, c'est-à-dire les, comment j'ai dit tout à l'heure, les kalam, les plumes. Les plumes qui écrivent sont levées. Elles ne peuvent plus écrire. Personne ne peut écrire. Ni quelque chose pour toi, ni quelque chose contre toi. Et l'encre des feuillets, naam, a séché aussi. C'est-à-dire que même si on veut changer quelque chose, changer une lettre, naam, c'est trop tard, l'encre a séché. Quand l'encre a séché, plus toucher le feuillet et faire n'importe yani, quoi que ce soit comme yani, change, on ne peut rien changer. Non. Ensuite, il a dit et il a cité ensuite la deuxième version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà la version ici, regardez la deuxième version. Selon une deuxième version, une seconde, on va effacer d'abord, deuxième version. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Attache-toi à son obéissance. Dans l'aisance, il t'aidera dans la détresse. Sache que ce qui t'a manqué n'était pas pour t'atteindre. Et ce qui t'a atteint n'était pas pour te manquer. Le cher, sache que ce qui t'a manqué n'était pas pour t'atteindre. Ce qui t'a atteint n'était pas pour te manquer.
Tout ça, c'est pourquoi? Pour ne pas avoir les remords quand quelque chose arrive. Non, quand quelque chose arrive, beaucoup de gens vont dire quoi? Va dire fais ceci, ah si j'avais fait. Non. Le hadith, qu'est-ce qu'il te dit? Sache que ce qui t'a manqué n'était pas pour t'atteindre. C'est pas la peine de te fatiguer. Et ce qui t'a, surtout ce qui t'a atteint comme malheur n'était pas pour te manquer. C'est pas la peine de faire et de dire si ceci, si cela, si ceci, si cela. Le cheikh rahimahullah, une histoire dans ce tome, deuxième tome. Il a dit une fois, des gens étaient dans l'aéroport de Jeddah et ils voulaient aller vers Vid, je ne sais plus laquelle, en Arabie Saoudite. Et il était dans la salle d'embarquement, ou peut-être avant d'enregistrer les bagages, il y avait quelqu'un qui devait partir. Ça a été, il y a un sommeil l'a pris. Il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a trouvé que les gens avaient déjà enregistré leurs bagages et ont été même décollés. Ou alors étaient prêts à décoller. C'est impossible maintenant de le faire embarquer. Il a dit, il a commencé à pleurer et il était très très chagriné. Pleurer, très chagriné, yani de ne pas faire ce voyage et d'avoir loupé l'avion. Il a dit, et un quart d'heure après, ou la 20 minutes, ou là, quand l'avion a décollé, juste l'avion est monté dans le ciel, il a brûlé. L'avion a brûlé, l'avion est tombé, et tous les passagers sont morts. Il a dit, quand on a annoncé à cette personne-là ce qui est arrivé, il a aussi il a pleuré 2 jours. Subhanallah l'adem. Pour lui, c'est un malheur de rater l'avion. Mais maintenant, quand il a su que l'avion est tombé, tout est mort, il a su que le sommeil qu'il a eu, c'était vraiment une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a voulu rallonger dans sa vie. Il lui a donné ce sommeil pour qu'il dorme. Donc pour que tu saches que yani, ce qui t'a atteint n'était pas pour te rater. Et ce qui t'a pour t'atteindre. C'est pour ça que la personne ne doit pas dire quand elle vient d'un malheur, ah si j'avais fait cela, ah si je n'étais pas venu ici, ah si je n'étais pas de bus, ah resté chez moi, ah si j'étais allé à l'hôpital au lieu d'endroit et comme ça. Tout ça, c'est, yani, comme dit le hadith, tu ouvres la porte au shaitan. Tu ouvres la porte au shaitan. Le hadith a dit wa an nasr ma'as wa an al farq wa an ma'al usri yusra. C'est-à-dire, le hadith, bon, c'est pas celui-là, c'est la deuxième version. À la fin, sache que la victoire avec la patience et que la délivrance vient après le tourment. Et que certes, il y a, je répète, sache que la victoire vient avec la patience et que la délivrance vient après le tourment. Que certes, après la difficulté, il y a une facilité. Le Cheikh Rahimahullah dit, ça veut dire que, fa'ida sabart, si tu patientes, fa'alta ma amarakallahu bihi min nasr, fa'ina Allah ta'ala yansuruk. Si tu patientes et que tu prennes aussi des causes pour la victoire, les causes pour la victoire, il a dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la victoire. Le sabr huna يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. La patience, quand il a dit sache que la victoire vient avec la patience englobe 3 choses. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Patienter pour faire quoi? Faire des obligations. Car pour faire ça, il faut patienter. C'est pas facile. C'est pas facile. Ton nefs ne veut pas, je ne sais pas. Les passions ne veulent pas. Tes amis ne veulent pas. Il faut patienter. C'est du djihad. C'est du djihad. Donc il faut la patience dans l'obéissance d'Allah. Patience, pas un marsiyat. La patience pour ne pas faire les péchés. La patience pour ne pas désobéir. Et troisièmement, la patience dans la prédestination et les malheurs risqués. La patience
dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le destin de choses qui peuvent quoi? Qui peuvent te faire mal, qui peuvent te causer du chagrin. Naam. Il a dit car l'ennemi, on parle maintenant de patience et victoire, l'ennemi est aux aguets de tous côtés. De tous les côtés, l'ennemi t'attend, il est aux aguets. Il a dit, فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويستحسر ويدعى الجهاد. Il a dit, c'est pour ça que si tu patientes pas, tu vas dire que l'ennemi est partout, est fort, etc. Et tu vas faiblir et délaisser le combat. Et délaisser. وقد يشرع في الجهاد وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف. Et des fois la personne va pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dès que un mal l'atteint, ou par exemple il est blessé ou bien un petit mal, il a dit alors il ne continue pas, il ne continue pas. Il a dit وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه. Il a dit mais des fois il patiente, il continue, mais il est touché par exemple par son ennemi. Et ceci aussi, il doit patienter en cela. Quand on va au djihad ou là on va pour combattre l'ennemi, pas dire que c'est sûr que je reviens à 100% et un est intact. Il est possible que je meure et il est possible que je revienne blessé, que je revienne avec une jambe coupée ou bien une main coupée ou bien. Non. Ensuite, il a dit, قال الله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس قرح مثله آل عمران 140. Si une blessure vous atteint, pareille blessure, naam. En arabe, c'est quoi? Ali Imran 140. Ali Imran 140, naam. In yamsaskum qarhun, faqad massa al-qawma qarhun mithluh. Wa tikal an-nas. Allah Ta'ala dit, si une blessure vous atteint, pareille blessure a atteint aussi l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un mal t'arrive, quand quelqu'un est pendant la bataille, ou bien il est blessé par exemple, sache que l'ennemi aussi a été blessé. Tu n'es pas le seul à être blessé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a permis à ton ennemi, il a dit pourquoi? Faisons-nous alterner les jours, les bons et les mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui en croisissent parmi vous. Allah n'aime pas les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Donc, quand quelqu'un est blessé ou bien atteint de mal dans une bataille, il faut qu'il sache que il n'est pas le seul. L'ennemi aussi a été touché. L'ennemi aussi a été touché. Subhanahu wa ta'ala veut t'éprouver. Il fait alterner. Hier, il t'a donné des choses, mashallah. Aujourd'hui, il te donne un malheur, une blessure, pour voir Yanni. Est-ce que tu fais vraiment partie de ceux qui ont cru? Naam. Et même s'il arrive que la blessure te fasse mourir, alors sache que, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu meurs en martyr. Et vous savez, celui qui meurt en martyr, qu'est-ce qu'il a en islam? N'oubliez pas le hadith où il dit qu'il a sept choses, subhanallah al-azim, sept choses que aucune personne n'a, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, il a dit « Wa la tahinu »« Wa la tahinu wa la tahzanu »« Wa antum al-a'laun »« Wa antum al-a'laun » Non, c'est pas ça. « Wa la tahinu fi ibtigha'i al-qawm »« In takunu ya'lamun fa innahum ya'lamun min Allah ma la tarjoun »« Wa kana Allahu aliman hakima » An-Nisa 104. An-Nisa 104. Verset Nisa 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre quand vous souffrez. Et d'Allah, ce qu'il n'espère pas. Allah est ton ange. Allah
est omniscient et sage. Je répète, ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Et continuez à combattre l'ennemi. Ensuite, si tu dis l'ennemi aussi souffre comme tu souffres, tandis que quoi la différence? Toi, tu es chose. Tu espères des récompenses, tu espères le paradis, alors que lui n'espère. Allah Ta'ala est omniscient et sage. Donc ça, Allah Ta'ala veut te dire que si un malheur t'arrive ou bien tu souffres, il faut penser à l'ennemi, que lui aussi il souffre comme toi. Donc vous êtes égaux. Mais toi tu es mieux que lui dans le sens où toi tu espères quelque chose après cette souffrance. Et le cœur, sinam, pas le paradis, c'est long. Tandis que toi, si tu ne meurs pas, tu auras des récompenses pour la blessure. Et si tu meurs, tu auras le statut de martyr. Et qui peut être mieux que toi? Naam. Ensuite, le hadith a dit Anna al-faraja ma al-karb. Ou alam anna al-faraja ma al-karb. Donc, c'est la deuxième version où il dit Sache que la délivrance vient après le tourment. Sache que la délivrance vient après le tourment. Il a dit, sache que la victoire et que la délivrance après le tout. Le Cheikh Rahimallah dit, Kullama iktarabat al-umur wa dhaqat fa inna al-faraj gharib. Il a dit, à chaque fois que il y a des difficultés et que ça se comprend, sache que toujours, va arriver bi-idhnillahi ta'ala. C'est une règle. C'est l'issue. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, ou là, en son livre, il a dit, comment il a dit le verset? Amman yujibu al-mustarra idha da'ah, wa yikshifu al-su'a. Amman yujibu al-mustarra idha da'ah, wa yikshifu wa yaj'alukum khulafa'a. Aylahun ma'allah, qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun. Qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. Y a-t-il donc une divine? Donc il y avait le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on avait cité le verset en arabe, Amma yujibu al-mustarra da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard. Aylahu ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Donc le témoin, c'est quoi ici? Que après la détresse vient le soulagement bi-idhnillahi ta'ala. Lorsqu'il a dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque et qui enlève le mal? Donc le mal, il est sujet à être enlevé. Il est sujet à être enlevé et ne peut pas rester tout le temps. Ensuite, il a dit Et lorsque, dans le hadith, si vous vous rappelez, il avait dit à la fin J'efface d'abord. Il avait dit à la fin, dans le hadith, il avait dit C'est pas celui-là, c'est la deuxième version. C'est la deuxième version. Où il dit, et sache que la victoire vient, et la délivrance après le tourment, et avec la difficulté, il y a une facilité. Le croyant doit être sûr que, après chaque difficulté, il y a une facilité. Le croyant doit être sûr que, après chaque difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala fait venir une facilité bi-idhnillahi ta'ala. Et le shir dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, il a dit, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. C'est ce 5-6, sourate al-Sharh. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Ça donne en français, non, ça donne en français, sourate al-Sharh.
Bon. Fainama aussi, vous savez, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la, je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a donc même les enfants, yani, si ou alors c'est obligé, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Voilà. Il a dit, on n'entend pas. Je disais, même les enfants, leur pas de regarder. Le prophète avec son cousin. Yani, demande Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi et t'aidera. Et comme ça. Donc il y a des coupures, cher. Donc il y a des coupures. Je sache. Donc il y a des coupures. Si vous n'avez pas entendu, c'est qu'il y a des coupures. Muslim. Je l'avais pas. C'est pas en arrière. Je vais pas revenir en arrière, mais je continue. Je dis, on prend par exemple que Yanni, il était très modeste. Et que la preuve, il prenait quelqu'un derrière lui sur la mule. Et aussi, il s'asseyait avec les enfants et leur a apprené, il leur parlait de din. Et qu'on a pris aussi comme que, et même les enfants de din et de aqida. Ici, le prophète Islam parlait à son cousin de aqida. Il lui a dit, observe les commandements de Allah, tu le trouveras en face de toi, et sache ceci, sache cela. Donc même un enfant, on lui apprend ces choses-là. Mais si on parle avec lui aqida, on ne va pas rentrer dans les détails qui sont difficiles pour lui à concevoir. On ne va pas parler des attributs, par exemple, de l'acte, des attributs de l'essence, la différence entre les deux. Non, non. On lui parle des choses qu'il peut comprendre. Que c'est Allah Ta'ala qui a créé le soleil, que Afoun, qui a créé le soleil, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère l'univers, c'est lui qui nous donne le bien. Allah Ta'ala, on doit le rencontrer un jour. Allah Ta'ala yani, nous a enjoint de lui obéir et de ne pas nous faire entrer en enfer. Et comme ça, la porte le paradis a 8 portes, l'enfer a 7 portes. On lui parle des choses qu'il peut comprendre, qu'il peut comprendre facilement. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? On peut prendre aussi de ce hadith que une chose importante, par exemple, on dit en arabe. On dit « al-jaza'u min jinsi al-amal ».« Al-jaza'u min jinsi al-amal ». Qu'est-ce que ça veut dire « al-jaza'u min amal » Ça veut dire que la récompense est de la même sorte que l'action et l'œuvre. La récompense est de la même sorte que l'action et l'œuvre. L'âme, elle est de la même sorte. Je donne un exemple, je donne un exemple. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullah yansurkum. Regardez. Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullah yansurkum. Donc je vais effacer d'abord, Ya ayyuha alladhina amanu, in. Regardez, il a dit, en français, si j'ai le verset ici, c'est Mohammed. Qui croyez, si vous faites triompher la cause, il vous fera triompher et rira vos pas. Regardez, l'œuvre, c'est quoi? L'action? Vous faites triompher la cause d'Allah. Récompense, tu fais triompher, il te fait triompher. Donc, la récompense ici, il te fera triompher. Et l'œuvre, c'est quoi? Tu as fait triompher. Même sorte. Donc la récompense en islam est de la même sorte que l'œuvre, de la même sorte que l'œuvre. Et ça, on l'a pris du hadith, on l'a pris du hadith, où yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, il a dit, regardez son début, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les
commandement, il te protégera. Observe. Le commandement d'Allah, il te protégera. Vous comprendriez mieux si c'était en arabe. En arabe, il a dit, Yahfadka. Protège Allah, il te protégera. Mais là, on ne peut pas le protéger. Ça veut dire on protège ses commandements. Donc, il a dit, protège, il te protégera. C'est pour ça qu'on a cité le verset. C'est pour ça qu'on a cité le verset où, yani, si vous faites triompher, il fera triompher. Donc la récompense est toujours, ou bien, vient de la sorte, de la même sorte que l'accent. Par exemple, dans sourate al-Baqara, on va voir par exemple dans sourate al-Baqara, Fadkuruni, 152. Mentionnez-moi, je vous mentionne. Regardez l'action. Mentionnez-moi, invoquez-moi, qu'on pense, je vous invoque. Elle est identique, de la même sorte. Mentionnez-moi, je vous mentionne. Et c'est plein dans le Coran et aussi dans la sunna. Man nafa'a un muslim kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi akhira. Regarde, nafas Allah, c'est à dire quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Allah alléger son affliction au jour du jugement dernier. Tu as allégé Allah va yom al-qiyama. Quiconque secourt un homme dans la gêne, Allah le secourir. La même chose. Tu secouris dans ce bas monde, dans l'au-delà. Quiconque couvrira les fautes des musulmans, vers lui couvrir en ce bas monde. Donc, la récompense est de la même Allah yom al-qiyama. Tu secours un homme dans la gêne, Allah va te secourir dans ce bas monde et là. Non. Tu couvres les fautes des musulmans, Allah va couvrir tes fautes dans ce bas monde et dans l'autre. Hadith, Ar-Rahimun, non. Où le Prophète a dit, Imun. Regardez, Ar-Rahimun. Les miséricordieux, le sur terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Ça coupe aujourd'hui, c'est à cause de... Non. À cause de la connexion. Regardez. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre. Allah Ta'ala la réponse sera miséricordieux. Ensuite, remarquez ce qu'a dit le hadith. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, alors celui qui est dans le ciel sera miséricordieux, pas d'Allah. Allah sera miséricordieux avec vous. Il veut aussi, subhanahu wa ta'ala, et dans le ciel. Pour ceux qui disent Allah Ta'ala est partout, hein? Les soufis, les ahbash, les achites, les tablis, Allah est partout. On leur dit, pour le hadith a dit, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers toi, envers vous. Il n'a pas dit celui qui... Donc, c'était pour tirer l'intérêt de quoi? L'intérêt qui consiste à dire que la récompense en islam est identique à quoi? À l'action et l'œuvre que tu fais. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je vous dis, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous êtes prêts, inshallah ta'ala, pour les questions-réponses, dites-le moi, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la première question d'une sœur, assalamu alaykum wa rahmatullah, cher. Pouvez-vous réexpliquer la différence entre les deux versets 5 et 6 de la sourate l'ouverture? Barakallahu fikoum.
Donc le verset 5, à côté de la difficulté est certes une facilité, et le verset 6, à côté de la difficulté est certes une facilité. Donc ce sont les mêmes versets, mais elle demande la différence entre les deux. Donc, pour la réponse, pour la personne qui a dit elle n'a pas bien compris la différence entre fa'inama ensuite inama, en français, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Pour vous dire que l'arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a choisi l'arabe pour faire descendre son Coran, car l'arabe, yani, contient des choses que aucune langue ne contient. Aucune langue ne contient. Je donne un exemple. Ici, quand je vais lire en français, je trouve que c'est la même chose. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Donc, il y a même répétition. Ça, il a répété le premier verset. Alors qu'en arabe, non, il n'a pas répété le premier verset. À cause des règles qu'il y a. Premièrement, il y a le fa ici. Regardez, voilà, il a dit fa inna ba'dal 'usri yusra. Dans la deuxième, il a dit inna ba'dal 'usri yusra. Ensuite, à cause du nakira. Nakira. Vous savez, en arabe, il y a nakira et il y a ma'rifa. Comme on dit en français, par exemple, il y a la soupe avec la. Et il y a seulement soupe. Il n'y a pas la. C'est défini et indéfini. En arabe, si un mot comme ça, indéfini, nakira, qui va venir deux fois consécutif dans le Coran, la règle dit que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même mot qui est revenu. C'est-à-dire que c'est un nouveau mot, alors que c'est le même, mais il est venu avec, yani pour, comme on dit en arabe, at-ta'sis, ou alors at-ta'kid. Il est revenu pour te dire que il y a une nouvelle facilité qui va venir. Naam, il revient avec quelque chose de nouveau. S'il est indéfini, précédé par fa. Il n'y a pas ça en français. En français, quelqu'un va dire qu'il y a une répétition. En arabe, on lui dit non. Allah Ta'ala a voulu dire que quand il y a une difficulté, va venir la facilité, ensuite va venir une deuxième facilité. Naam, sans qu'il ait besoin d'avoir une deuxième difficulté. Mais pour la première difficulté, vont venir deux facilités. Il ne peut comprendre ça que quelqu'un qui est bien calé en arabe, naam, pour vous dire que Allah Ta'ala a spécialement choisi l'arabe pour faire descendre le Coran. Tfadlal. C'est ouvert le PV. Ah, ma question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins. Ma question est, comment faire la nasiha à des sœurs qui suivent des cours donnés par un frère à tendance ikhwan? Il fait l'apologie des frères musulmans qui avancent que la Oumma doit se mobiliser pour remettre le califat en place, car selon eux, il n'y a aucun pays musulman et que tous les pays musulmans sont corrompus. Barakallahu fikoum. Donc malheureusement, cher, les questions sont d'ordre général pour l'instant, car je n'ai reçu qu'une seule question sur le cours. Fadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Comment qu'on fait une nasiha à des sœurs qui suivent des cours donnés par un frère à tendance ikhwan, qui avance que la Oumma doit se mobiliser pour le califat, etc. Et il n'y a aucun pays musulman, tous les pays musulmans sont corrompus. Non. Ces sœurs qui suivent un frère qui a cette tendance et qui dit comme ça, yani, elles font vraiment de la peine. Elles font vraiment de la peine. Il faudrait patienter avec elle pour les réveiller, bi'idhnillahi ta'ala. Car le frère qui leur donne ces cours-là, il est difficile à faire réveiller. Pourquoi? Car, comme on dit en arabe, indahu jahlun murakkab. Il a une ignorance complexe. Et la différence entre l'ignorance simple et l'ignorance complexe, l'ignorance simple, quand quelqu'un est ignorant d'une ignorance simple, il dit je ne sais pas. Tu lui dis c'est quel jour aujourd'hui? Il dit je ne sais pas. Tu dis à quel âge est mort le prophète Aslam? Il te dit je ne sais pas. Tu lui dis combien il y a de prières par jour? Il dit je ne sais pas. Celui-là on dit
C'est un ignorant d'une ignorance simple. Mais l'ignorant d'une ignorance complexe, c'est celui qui croit connaître la réponse et la vérité, mais en fait ne l'a pas. Par exemple, aujourd'hui c'est samedi. Tu lui dis c'est quel jour aujourd'hui? Il te dit c'est lundi. Tu lui dis à quel âge est mort le prophète Aslam? Il te dit à 70 ans au lieu de 65. Combien il y a de prières par jour? Il te dit 4. Et comme ça. Donc celui-là, celui qui est qui a l'ignorance complexe, il est difficile à lui enseigner. Parce qu'il croit détenir la vérité. Les ikhwan muslimoun ont une ignorance complexe, pas simple. Ils croient qu'ils connaissent la vérité, qu'ils connaissent mieux que les autres. Naam. Il te dit, c'est nous qui sommes sur le droit chemin. C'est pour ça que le mubtadi en général, c'est difficile à le réveiller, à le faire rentrer yani, dans le droit chemin. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, a dit que Allah Ta'ala a mis un voile entre lui et la tauba du mubtadi. C'est très difficile pour le mubtadi de faire le repentir. Car le premier pas du repentir, c'est quoi? C'est de reconnaître que je suis dans la faute. Ensuite, je vais faire le repentir, ça. Mais si je ne repens que je suis dans la faute, je crois que je suis sur le droit chemin. Pourquoi je vais faire le repentir? J'ai dit ça pour dire que celui qui est des Ikhwan, il fait partie des ignorants à ignorance complexe. Ensuite, quand il dit que Yann, il faut se mobiliser pour remettre le califat en place, on lui dit tu te trompes. Le califat c'est bien, mais on ne commence pas par le califat. On commence par la aqida. Comme on fait qui? Comme on fait les 124 000 prophètes qui sont venus et les 315 messagers. Ils ont tous commencé par la aqida. Aucun d'eux n'a commencé par le califat. En commençant par le califat, tu es en train de contredire la voix des prophètes et des messagers. Naam. C'est pour ça les Ikhwan. La grande différence entre nous et les Ikhwan. Les Ikhwan, ils commencent par là, le califat. Et nous, on commence par la aqida. Ensuite, va venir le califat bi'idhnillahi ta'ala. Eux, ils commencent par le califat. Allez, on va faire le califat, on va mobiliser les gens, on va mobiliser tous les gens. Les Mubtadi'a, les Soufis, les Tablir, les Ahbash, les... C'est pas important. Il faut mobiliser pour être nombreux, être des millions. Et ensuite, on fait le califat. Alors que quoi? On ne connaît rien dans la Aqida. Naam, on ne connaît rien dans la Aqida. Et on va mobiliser tous les ignorants du monde et toutes les sectes du monde. Et on va faire quoi? Et on va faire le califat. Ensuite, on va s'entretuer. Parce que chacun, aucun de nous n'est comme l'autre. On est tous de sectes différentes. On n'a pas les mêmes idéaux, ni les mêmes buts, ni rien. On va quoi? On va s'entretuer. Est-ce qu'en Afghanistan, ils ont pu faire le califat? Ils ont fait le califat. Est-ce qu'ils ont fait... Yani, ils ont remporté la victoire? Ils s'entretuent matin et soir dans tous les pays musulmans. Pourquoi? Il n'y a pas d'aqida. Il n'y a pas d'aqida. Naam. Donc, je dis à ses frères, ses sœurs, naam, de faire beaucoup d'efforts et de faire beaucoup de doigts pour ses sœurs mesquinettes qui passent yani, qui sont en train de perdre leur temps avec ce Ikhwani qui est en train de les égarer, avec ce Ikhwani qui est en train de les égarer. Naam. Tfadl inshallah ta'ala pour la deuxième question. Naam, elles ont dit aussi comment faire, etc. Comment faire la nasiha. Faire la nasiha, c'est en leur yani faisant, on va leur faire apprendre doucement, doucement. Doucement, doucement, en leur donnant des dépliants, en leur donnant des petits, des livres, en leur donnant des audios à entendre. Naam. En les invitant comme ça à des cours, et comme ça, jusqu'à ce que le réveil bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Question suivante, cher, d'une sœur. Salam alaikum, chers et les admins. Qu'Allah nous réunisse au Firdaus. Ma question est, mon mari a-t-il droit de jouer en club de football de la ville, sachant que durant les matchs, il y a de la mixité, car certaines femmes viennent voir leur mari ou autre,
mais il dit qu'il ne les regarde même pas, car il est là-bas que pour jouer. De plus, il doit être au club à 13h30, 90 minutes de match, sans compter les pauses et autres. Et le Asr est à 15h57, donc il rate la prière à la mosquée. Le football est-il un sport interdit aux femmes, dans le sens où est-il spécifique aux hommes? Si on cache la aura et qu'aucun homme ne nous voit. Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Quelqu'un, quand il veut faire du sport, là, quand il veut faire du sport, il doit, le sport n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sport avec sa femme, Aïcha radiallahu ta'ala anha. Ils ont couru deux fois, comme vous savez ça. Mais il faut remplir les conditions. Là, quand je fais le sport, je dois remplir les conditions. Je ne dois pas faire, par exemple, avec ma aura découverte, si je suis un homme, encore plus si c'est une femme. Je ne dois pas, par exemple, le faire avec des gens, par exemple, qui, en jouant, ils insultent et ils disent des gros mots, etc. Il faut que ça soit avec, yani, des amis vraiment choisis. Ensuite, il ne faut pas, par exemple, que, yani, il faut pas que, une seconde, là, quelqu'un dit, c'est moi quand j'ai la aura cachée, et non les autres. Si les autres n'ont pas l'aura cachée, je ne peux pas jouer avec eux. Eux aussi, ils doivent quoi? Ils doivent cacher leur aura. Non. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Non, pour la salade. La salade, c'est très important. Si au moins, si au moins, on joue par exemple avec des frères, non. Et que, yani, la mosquée est loin et que après le match, on va prier en groupe. Au moins. Mais ce n'est pas comme par exemple je vais jouer avec des gens, je vais pas à la mosquée, ensuite je vais me trouver à prier seul. À prier seul. Si au moins on prie en groupe, parce que par exemple la mosquée est loin, ensuite yani, on ne peut pas s'arrêter au milieu du match, aller prier à la mosquée et revenir. C'est pour cela que il faut toujours choisir, par exemple, les moments où il n'y a pas la prière. Ce serait mieux de choisir de faire la prière. À fond de jouer dans un moment creux où il n'y a pas de prière. Reste pour la fin de la question. Est-ce que yani, c'est spécifique aux hommes? Il me semble, Wallahu ta'ala alam, je ne peux pas yani, répondre d'une façon avec ilm parce que je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas lu quelque chose en ce sens. Mais je dis comme ça de ma tête. Si je dis juste, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dis faux, ça vient de mon shaitan. Il me semble que le foot. On me dit, vous avez dit 65 ans pour la mort du prophète islam. Et il est mort à 63. Si j'ai dit 65, c'est que, yani, c'est que, c'est un, comment on dit ça, c'est un lapsus. Si j'ai dit 65, je voulais dire 63. Non. Moi, je pense, Wallahu alam, que j'ai dit 63. Il est mort à 63 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et aussi, Uthman ibn Affan et Abu Bakr Siddiq. Mais si j'ai dit 65, c'est un lapsus. Je n'ai pas voulu dire 65. Je disais, pour les femmes qui font le football, il me semble, Wallahu alam, je dis Wallahu alam trois fois, que c'est spécifique pour les hommes. Et que football, ça marche pas avec les femmes. Non. La façon de jouer, la façon de bloquer avec sa poitrine, etc. Non, tout ça marche pas avec les femmes. Il me semble que c'est pas féminin ce sport. Non. Wallahu alam, je dis. Par contre, par exemple, la course, courir, nam, ça, Aïcha radiallahu ta'ala, on l'a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi-même, si je trouve, inshallah ta'ala, une fatwa en ce sens, je vous la propagerai, bi'idhnillahi ta'ala, c'est juste mon avis. Tfadhal. Pour celles qui se plaignent et disent qu'on me contacte quand je suis dans le salon. C'est écrit ici comment bloquer les contacts. Comme ça, personne ne peut te contacter
sauf tes amis que tu as choisis, que tu as laissés sur la liste. Donc surtout pour les sœurs qui sont contactées par des hommes, ou alors même par des sœurs qui les gênent. C'est aussi pour les frères. Quand yani, beaucoup de gens te contactent, tu bloques. Ah, tu bloques comme ça, personne ne peut te contacter, sauf tes amis. Maintenant, pour ceux, même pour les frères, des fois, yani, ils se plaignent des sœurs. Il y a certaines sœurs qui rentrent ici juste pour jouer, plaisanter, etc. Et commencent à contacter des frères. Non. Donc il faut les bloquer, inshallah ta'ala. Donc toute personne qui ne veut pas se bloquer, c'est pas la peine qu'elle se plaigne. C'est pas la peine qu'elle dise pourquoi on me contacte, on fait des problèmes et on me dit ceci et cela. Donc, voilà la façon comment se bloquer, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Vous avez parlé de celui qui meurt martyr. Il a sept choses que personne n'a. Pouvez-vous citer ces sept choses, Inch'Allah? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense. Tfadha, cher. Une seconde, inshallah ta'ala, ça fait, vous m'entendez, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas cité le hadith du martyr et des sept choses. Et maintenant, vous savez que je prends certains médicaments, etc. Beaucoup même. Donc, ce qui me donne, yani, une lourdeur dans la mémoire. Mais inshallah ta'ala, je vais me tester. Et si je n'arrive pas, je chercherai sur un tayyib. Naam, Ibn Jazayri, lève ta main, inshallah ta'ala, lève ta main, inshallah ta'ala, pour que je te voie. Lève ta main pour monter en haut. Lève ta main, inshallah ta'ala, pour monter en haut. Voilà. J'espère que c'est ouvert la horde. Taïb. Donc, il a sept choses. Sept choses. Muslim, vous comptez avec moi, inshallah. Comptez si je 5 ou 6 ou 7. Vous comptez, inshallah, ta'ala. La première, ma'alish, si je vais les citer pas dans l'ordre, ma'alish. La première, il va, yani, il ne sent de la mort, là, que comme quelqu'un qui le pince. Comme quelqu'un qui le pince. Nous, par exemple, si quelqu'un, il reçoit une balle, une lance ou là, dans son cœur ou là, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais lui, il ne sent que quelqu'un l'a quoi? L'a pincé. La deuxième, il voit sa place dans le paradis à l'instant même où il meurt. La seconde où il meurt, il voit sa place. Paradis. La troisième, il n'aura pas des questions dans la tombe. Il n'aura pas ce qu'on appelle la fitna de la tombe. Ya amen fitna al-qabr. La fitna, c'est quoi? C'est les trois questions. Qui est ton Seigneur? Quel est le c'est quoi ton dîn? Et quel est le prophète que tu as suivi? Alors vous savez que c'est très difficile de répondre à ces questions. C'est très difficile à ces questions. Naam. La quatrième, Yawm al-Qiyamah, on va lui mettre sur sa tête Tadj al-Waqur. On va lui mettre, comment qu'on appelle la chose qu'on met sur la tête des rois? La tête des rois. Ils ont quelque chose comme ça en or sur la tête, la couronne. Voilà, on va lui mettre une couronne Tadj al-Waqur. Quelque chose, yani, de vraiment spécial, une couronne spéciale. Je ne sais pas comment on dit en arabe, en français, l'Waqur, mais voilà, il aura une couronne spéciale qu'aucune personne n'aura sur sa tête. La cinquième, il peut intercéder à 70 personnes de sa famille. 70 personnes de sa famille qui, normalement, allaient en enfer, il peut intercéder pour qu'ils n'aillent pas en enfer, ils vont au paradis. Subhanallah al-Azim. 70 personnes, bien sûr, quand je dis 70, à condition
qu'ils ne soient pas des kuffars, à condition qu'ils ne soient pas des kuffars, bien sûr. 70 musulmans de sa famille qui normalement allaient rentrer en enfer, il va intercéder pour qu'ils n'aillent pas en enfer et aillent au paradis. Attendez, Tayyib, reste deux choses, inshallah ta'ala, reste deux choses que maintenant je n'ai pas dans la tête. On va vite rentrer dans un hadith, les chercher une seconde. Une seconde, je cherche les deux autres, inshallah ta'ala. Ah, sixièmement, il aura 72 femmes du paradis. Tayyib, donc je lis en arabe ici, je traduis en français. Le shahid a 7 khisal. On lui pardonne à la première goutte de sang qui coule. Je ne sais pas si j'ai dit ça. On lui pardonne à la première goutte de sang qui coule. Il voit sa place au paradis. Yuhalla hullat al-iman. Naam. Yom al-qiyama, on va l'habiller d'un habit spécial, l'habit de la foi. Naam. Et va se marier avec 72 femmes du paradis. N'aura pas la fitna dans la tombe et il n'aura pas la grande peur, le faza, la grande peur yom al-qiyama. Il n'aura pas cette grande peur et on mettra sur sa tête la couronne du waqar, tajul waqar, qui chaque émeraude, plein d'émeraudes bien sûr, qui chaque émeraude bien sûr est mieux que tout ce qu'il y a dans cette dunya. Et enfin, il va intercéder à 70 personnes de sa famille. Il va intercéder à 70 personnes de sa famille. Tayyib. Attendez, si ça veut. Voilà le hadith en arabe, sahih, a dit Cheikh Al-Albani. Il n'y a pas dans le hadith l'alam, le premier que vous avez cité. Là-haut. Ah, ça, c'est vrai. Non, peut-être que, attends, il y a sûrement une autre version. Non, une autre version. C'est nature, il faut le. Non. Attends, une seconde. Une seconde. Donc, c'est vrai, vrai. Pour le pincement, c'est vrai. Il y a. Pourquoi? Je viens de me rappeler maintenant. Ça coupe, hein? Ça coupe, dommage. Je dis pour le pincement, il n'y a pas, c'est vrai. Car ça, c'est dans un autre hadith que le shahid en général, celui qui meurt, fisabilillah, il ne sent que comme un pincement. Naam, ça c'est pour en général, naam. Tfadal. Naam, cher, donc question suivante. Salam alaikum, cher, ainsi que les admins. Qu'Allah vous récompense pour tout. Je voudrais revenir sur où est Allah. Certes, il est au-dessus des cieux et s'est élevé sur son trône. Mais dire qu'il est partout dans le sens où il nous voit et nous entend constitue-t-il un péché? Et qu'en est-il du verset 4 de la sourate le faire? C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Tfadal, cher. Ah, ce que tu as lu, inshallah ta'ala, je vais le relire. Car je n'ai pas bien entendu. J'étais occupé par. Je vais vous lire une fatwa du grand savant Mohammed Ibrahim. Comme vous savez que c'est le. Ce mot. C'est un grand savant, là, qui était autant de Cheikh Saadi, et que c'était même son professeur. Là. Taïb, regardez, on lui a posé la question. Est-ce que c'est permis aux femmes de jouer au ballon, et yani, faire des matchs, etc. Il a répondu. Il leur a dit, il ne faut pas. Laïmbari dans le sens de, il ne faut pas, dans le sens de, c'est pas permis. Naam. Laïmbari. Laïmbari lillah nittakhida waladan. Il leur a dit, c'est pas permis. Naam. Oui. De jouer, qu'elle joue
de la façon dont les hommes jouent maintenant. Dont les hommes jouent maintenant. Tout cela, il a dit, yani, s'il n'y a aucun homme qui assiste et ne voit leur aura. Et ne les voit aucun homme. Et personne des hommes ne les entend. Il a dit, mais si il y a un des hommes qui va assister, ça c'est haram à 100%. Et on doit les empêcher de faire ceci. Donc, d'après lui, Allah alam, si c'est juste comme ça, il y a un ballon, et elles sont par exemple comme ça dans une salle, 3 ou 4, et il lui passe, et elle lui passe, et comme ça. Il a dit, mais pas la façon dont jouent les hommes maintenant. Juste comme ça, une passe. Non. Mais si elle joue comme jouent exactement les hommes, il a dit, yani, ça va bien. Il a dit, surtout, surtout, s'il y a les hommes qui sont présents, et qui... fais-toi, tome numéro 8, je termine. Page 120. Page 120. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Et bon, on revient donc pour la question hadith. Alaykoum salam, je voudrais revenir sur où est Allah. Certes, il est au-dessus des cieux et s'est élevé sur son trône. Mais dire qu'il est partout dans le sens où il nous voit et nous entend constitue le péché. Et qu'en est-il du verset de la sourate Damler? C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et en ce qui concerne. Ce qui en sort, ce qui descend, ce qui monte, il est avec vous, vous soyez, Allah observe parfaitement ce que vous êtes. Naam. Je dis, quand on dit que Allah Ta'ala est partout, dans le sens où il nous voit et nous entend, naam, il est partout, dans ce cas, on doit dire, Allah Ta'ala est partout avec sa science, comme ça on dit, avec sa science et son oui. Naam. Ou alors, comme dit Cheikh Salah, non, le savant d'Arabie Saoudite, il dit, de préférence, on est partout avec sa science. Mais on dit, sa science est partout. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. C'est mieux. Quant à lui, il est au-dessus du trône. C'est mieux que sûr. On dit, il est au-dessus du trône. Au-dessus du trône. Taïb. Quant au verset, il s'est... Bon, le verset, il est dans ce sens. Il a dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, en ce sens, ce qui descend, ce qui monte. Il est avec vous, où que vous soyez. Il est avec vous, avec sa science, et yani, sa vue, son oui, est comme ça. Comme il a dit à Moussa et à... Lorsqu'ils ont dit, il leur a dit chez le pharaon, idhaba ila fir'auna inna tagha, qala rabbana inna nakhafu an yafruta alayna aw yatgha. Ils ont dit, Allah, on a peur qu'il nous fasse. Lafa, n'ayez pas peur, la takhafa. N'ayez pas peur, la takhafa. Innani ma'akuma asma wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc il a dit, je suis avec vous. Pas avec mon essence, mais je vois et je vous entends. Sinon, moi, je suis au-dessus du trône. Souvent en France, on me dit ici, souvent en France, les gens disent Allah est sur son trône. Mais il est partout par sa science. C'est juste, mais à condition de dire Allah est au-dessus du trône. Et il est partout avec sa science, c'est-à-dire que sa science est partout. Préférence, j'ai dit, on ne dit pas il est sur le trône, mais on dit il est au-dessus du trône. Il y a une différence. Être sur quelque chose, ça suppose que je touche cette chose. Si on l'enlève, je tombe. Mais si je dis je suis au-dessus, ça ne veut pas dire que obligatoirement ça touche. C'est comme le plafond est au-dessus de moi. Mais il ne me touche pas. Il ne me touche pas ma tête. Mais si on dit le plafond est sur ma tête, ça veut dire qu'il est posé sur ma tête. Non, tfadlal. Naam, c'est le grand savant Mohamed ben Ibrahim. Mohamed ben Ibrahim, le grand savant de Cheikh Saadi, etc. Et Mufti aussi.
à un certain temps d'Arabie Saoudite, Mohammed ibn Ibrahim Allah. Il est mort. Ah, il est mort. Non. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah. Est-ce que les œuvres des innovateurs sont acceptées par Allah Azzawajal? Ou bien faut-il être du minhaj al-sunna wal-jama'a pour que les œuvres soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala? Jazakumullah khairan cher pour votre réponse et puisse Allah le Tout-Puissant vous guérir d'une guérison parfaite. Tfadal cher. Amin, barakallahu fik, puisse que cela englobe tout le monde. Que cela englobe tout le monde. Les œuvres du pas acceptées. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Il a dit: quiconque va. Ahdath, ça veut dire va, disons, innover quelque chose dans le dîn qui n'est pas du dîn, il a dit, ça va, yani, ça va être refusé. Ça va être refusé. Comme dans l'autre hadith, man amil amal laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une œuvre, yani, moi le prophète, c'est pas moi qui l'ai légiféré, il a dit, elle est rad, elle est refusée. Non, elle n'est pas acceptée. Pire encore, le mubtadi'a, quand il fait quelque chose, il a des péchés. Quand il fait une œuvre, il a des péchés. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas faite d'après la législation. Il l'a faite d'après yani, ce qu'on lui a appris, ou bien d'après ses passions, ou bien d'après ceci, d'après cela, d'après son cher, et comme ça, d'après comment il a compris, etc. C'est pour cela qu'en islam, il y a deux grandes bases. La première, on adore qu'Allah, et c'est la ilaha illallah. Et la deuxième, je n'ai qu'avec sa législation. C'est-à-dire, je ne l'adore que d'après ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la continuité de la shahada. C'est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous avez compris? Quand tu dis shahadu la ilaha illallah, ça rentre dedans, je n'adore qu'Allah. Quand tu dis Shahaduna Muhammad Abdu Rasulu, ça veut dire je n'adore qu'Allah avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui fait même si Allah, il n'y a pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rejeté contre elle. Et ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour que l'œuvre soit acceptée, deux conditions. Ça soit fait pour Allah. D'après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa Question suivante. Et avant cela, donc pour les personnes qui ont levé la main et qui me disent que leur question n'est pas longue ou alors que la question est importante, etc., c'est la même consigne pour tout le monde, Inch'Allah. Toute question en rapport avec le cours, vous levez la main et si elle n'a pas rapport avec le cours, mais elle est là, vous la posez sur le site. Donc ça, c'est pour le samedi et mercredi, Inch'Allah. On prendra des questions des mains levées d'ordre général. Barakallahu fikoum. Donc toute question qui n'est pas en rapport avec le cours, si elle est posée par le biais des mains levées, elle ne sera pas lue. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. En ce qui concerne le tawakkul, en ce moment j'ai quelques difficultés au quotidien. J'aimerais savoir comment se faire soi-même la ruqya. Se faire ruqya soi-même est-il considéré comme étant du tawakkul plus que si on le faisait faire par une tierce personne? Tfadal cheikh. Alhamdoulilah, c'est une des meilleures. Je dis, celui qui se fait la ruqya, c'est à lui qui la demande. Celui qui fait la ruqya à lui-même, c'est mieux que celui qui la demande. Naam, c'est comme ça. C'est pour ça, j'ai dit la fois passée, si on pouvait, quiconque peut être utile à son frère, qu'il le soit. Si on pouvait, on ne laisse pas les gens nous demander de faire. Mais si leur faisant ruqya sans qu'ils demandent. Quand tu vas voir un malade, n'attends pas qu'il te dise fais-moi ruqya. Pose ta main sur sa tête, sur lui, ou bien sur son ventre, sur l'endroit où il a mal,
Et lui au moins, yani le Fatiha, si tu veux, le Fatiha 7 fois, m'appelle Abu Saïd al-Khudri. Et comme ça, Ruqya, ça veut dire pas. Sur le malade, donc, en général, personne ne doit demander la Ruqya à une autre personne. Il l'a fait lui-même. Même pas ou ne sait pas, ou est malade, ne peut pas. Il peut demander la Ruqya. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, s'il est dans la Darura, il a fait plusieurs fois, ça n'a rien donné. Il sait qu'il y a quelqu'un de mieux que lui, plus pieux et plus qui a plus de science, etc. Il lui demande, bi'idna ta'ala, sans exagérer. Naam, inshallah ta'ala. Tfadl. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez cité les sept récompenses du martyr. Est-il vrai qu'il y a un hadith qui dit, Allahu a'lam, que le martyr qui meurt laissant une dette ne rentrera pas au paradis? Fadashir. Walaikum salam. Non, il n'y a pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala toute chose. Sauf quoi? Sauf. Ça, c'est un hadith authentique. Mais malgré cela, il y a un autre hadith qui, yani, dans lequel a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala sera wali celui. De celui qui n'a pas pu payer ses dettes. C'est-à-dire que, et dans un troisième hadith, que toute personne dans cette vie qui a des dettes et qui a l'intention de les payer, Allah dit que c'est moi qui l'aiderai. Donc, conclusion de ce que j'ai dit, toute personne qui meurt avec des dettes, Allah, c'est lui qui a. Le prophète sallam afoun, c'est lui qui s'en occupera demain, yani, à la rencontre d'Allah. Mais à condition que c'est dans la dunya, avec quoi? Avant qu'il y a l'intention, qu'il y a des dettes, avec l'intention de les payer dans cette dunya, Allah Ta'ala l'aidera pour les payer d'après le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum Abu Abdillah, hafizakum Allah. Donc, cher, cette question, c'était celle d'un frère qui avait posé la question concernant il citait les noms des savants et demandait si on pouvait prendre deux. Et vous aviez donc demandé les noms en arabe. Et donc, je lui ai demandé de me les donner en arabe. Donc, je vous les ai fait parvenir en arabe, en PV. Donc, Inch'Allah, dites si le frère peut prendre ou pas. Et il dit à la fin, je vous demande juste si on peut prendre deux dans le ilm. Tfadashir. Lis une autre question, inshallah ta'ala, le temps que je suis en train de lire. Lis. Naam, cher, j'étais en train de vous la faire parvenir. Donc la question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, lors des ablutions, quand on fait passer l'auriculaire entre les doigts du pied, doit-on le faire avec la main droite ou gauche? Wa jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa barakatou. On le fait avec la gauche. Si jamais quelqu'un a fait avec la droite, ça ne veut pas dire qu'il a des péchés. Ça ne veut pas dire qu'il a des péchés. Mais j'ai lu quelque part que on devait faire avec la main gauche. C'est tout, yani c'est mieux. Mais on n'a pas des péchés si on a fait avec la droite. Mais yani de préférence, on fait avec la gauche tant qu'on peut, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl. Ah, question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que l'équipe des frères, de manière à ce que la lumière de votre da'wa illumine le paltok, bi'idhnillah azawajal. Je suis à la recherche du nom du livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui parle des preuves de la descente d'Allah azawajal sans quitter son trône. Vous en avez parlé dans un audio de Aqidah Wasitiya. Dans cet audio, vous nous avez parlé de trois avis. Il y a l'avis d'un savant, je ne me rappelle plus du nom,
qui dit qu'Allah descend et quitte le trône. L'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, qui a réfuté cet avis dans un livre dans lequel il nous montre toutes les preuves. Et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui ne se prononce pas. Pouvez-vous me donner le nom en arabe et en français de ce livre, Inch'Allah, ainsi que nous citer un ou deux dalils de Cheikh qui appuie l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah sur le fait qu'Allah ne descend pas de son trône lors de sa descente. Tfadha Cheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le qui a dit que Allah Ta'ala quittait le trône quand il descendait, Minda, un grand savant. Un grand savant qui s'appelle Ibn Minda. Et Cheikh a réfuté en année, Allah Ta'ala descendait sans quitter le trône. Car rien ne lui ressemble. Ça, le verset. Rien ne lui ressemble. Toi, quand tu dis qu'il quitte, tu l'as fait ressembler aux personnes. Écrivez-le. Le chir. Qu'est-ce que j'écris, musulman? Ah. Comment qu'il sache? Ibn Minda, un grand savant. Non. Taïb, Cheikh l'Islam a réfuté, pourquoi? Car si je dis que il quitte le trône, ça veut dire que je l'ai ressemblé aux êtres humains. Nous, moi quand je descends de la voiture, je quitte la voiture. Quand je descends de mon lit, je quitte mon lit. Quand je descends de l'arbre, je quitte l'arbre. Et comme ça. Taïmia a voulu lui montrer que Allah Ta'ala n'était rien ne lui ressemble. Donc il descend sans quitter. Il descend sans quitter. El Mouhim. Et ensuite, il y a le troisième avis de Cheikh Ben Outaymin, et qui est, je crois, le meilleur. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahu Alam. Au lieu de dire il descend, comme a dit Ibn Minda, ou il ne descend pas, comme a dit Ibn Taymiyyah, on dit, comme a dit Cheikh Ben Outaymin, Allahu Alam. Allah Ta'ala n'a pas dit s'il descend, il descend pas. Afouin, s'il quitte ou il quitte pas. Et le prophète Aslam n'a pas dit s'il quitte ou quitte pas le trône. Donc on dit seulement il descend. Et Allahu alam par rapport au fait de quitter ou de ne pas quitter. Wallahu ta'ala alam. Une question suivante. Et s'il reste des questions sur le cours qui n'ont pas été lues, je demande aux frères et sœurs de s'adresser au frère Fawzi du 30. Barakallahu fikum. Question d'un frère. Salam alaikum cher. Qu'Allah vous donne le firdaus. Je dois faire la aqiqa de mon nouveau-né, mais j'aimerais savoir comment comptons-nous les jours. Il est né jeudi, soir après la salat al-Isha. Dois-je faire la aqiqa le jeudi, avant Maghreb ou le mercredi? Le jour musulman commence à partir de Maghreb. Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous préserve. Tfada, cher. Le jour ne commence pas après le Maghreb. Non. C'est la veillée du jour qui commence. C'est la veillée du jour et non pas le jour. Donc, on prend de la règle. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, on prend de la règle. S'il est né le jeudi, la haqiqa c'est le mercredi. S'il est né le samedi, la haqiqa c'est le vendredi. S'il est né de dimanche, la haqiqa c'est le samedi. S'il est né le lundi, la haqiqa c'est le dimanche. Toujours un jour avant. Toujours un jour avant. Sindi. S'il est né mercredi, la haqiqa mardi. S'il est né jeudi, la haqiqa mercredi. Et on voit toujours un jour à l'avance. C'est ça la règle générale. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadhal. Naam, cher, concernant les preuves que Cheikh Ibn Taymiyyah a apportées, donc le frère demandait le titre du livre en français et en arabe si vous avez. Tfadhal, cher. Naam, je ne me rappelle pas dans quel livre. Je ne me rappelle pas dans quel livre j'ai lu ça bi'idhnillahi ta'ala. Il faut que
je dise au frère, inshallah ta'ala, peut-être si je me le fait, inshallah ta'ala. Si je me rappelle, je lui dis. Fadlan. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que votre famille et tous les musulmans. Notre mosquée a un imam salafi, masha'Allah, mais nous avons un bureau de mubtadi'. Et ils font tout pour virer cet imam. Ils l'insultent, ils essayent par tous les moyens de le faire craquer, mais ils patientent, walhamdulillah. Question. Pour virer ce bureau, il faut prendre l'adhésion. Peut-on prendre cette carte et voter? Est-ce que cela est légiféré en islam? Car on nous a dit que c'était haram. Pouvez-vous nous conseiller, cher, jazakumullah khayran, qu'Allah vous récompense, vous les admins. Amin. Tfadha, cher. Je ne connais pas cette carte et si ces derniers ont entendu qu'elle par exemple. Tfadhal. Cher, ça a coupé, nous n'avons rien entendu de la réponse. Barakallahu fikoum, si vous pouviez répéter. Tfadha, cher. Maintenant, vous m'entendez. J'ai dit que je n'ai pas compris, je ne connais pas c'est quoi cette carte. Cette carte d'adhésion dont il parle, c'est quoi et qu'est-ce qu'elle contient de mal? Pourquoi on a dit que c'était haram? Tfadlal. Ah, mes chers, je pense que c'est une carte que les fidèles s'approprient pour effectuer un vote, c'est-à-dire pour élire des personnes qui vont être responsables de la mosquée. Donc tout fidèle ne l'a pas s'il ne la demande pas. Et je pense que c'est juste ça, Allahu a'lam. S'il y a des précisions à apporter, on demande au frère ou à la sœur. De contacter soit le frère Ibn Mohammed pour nous donner ces précisions. Mais je pense que c'est ça qui viennent à la mosquée, donc s'approprient cette carte, ils en font la demande pour ensuite pouvoir donc effectuer des votes lorsque des votes sont faits et élire donc les responsables. Okay. C'est le fait de voter où on leur a dit que c'était haram. Wallahu a'lam. Comment faire pour l'avoir? Ben, je pense qu'ils vont. Il s'adresse aux responsables pour pouvoir ensuite voter. Là, je pense que c'est ça le principe. Donc on demande à ce frère ou à cette sœur de nous dire si c'est comme ça, Inch'Allah, que nous devons comprendre leur question. Tfadha, cher. Est-ce que vous m'entendez? Non, en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas prononcer pas. Non, pour donner, inshallah ta'ala, des détails. Quand le frère tout à l'heure a parlé de certains talibouin, non, il a cité des gens que je ne connais pas. Non, et des gens que je connais. Ceux que je connais sont d'Algérie. Ceux qui sont d'Algérie, je les connais. Et attendez, le premier c'est qui? Peut-on dire Abu Saïd Belaïd Jazairi. Abu Saïd Belaïd Jazairi. Celui-là, ce que je sais de lui, c'est que c'est un salafi. Et qu'il a, yani quelques problèmes ici avec les chouïours. Avec les chouïours qui lui ont reproché des choses. Mais yani, il n'est pas sorti de la salafia. Abdelhamid Toumiette. Non, lui aussi, il a des fautes. On lui a reproché certaines choses. Comme peut-être il n'y a pas quelqu'un auquel on ne peut pas reprocher une chose. Il a cité Abdelbari, Abi Abdelbari Chérifi. Chérifi, Chérifi Abdel. On lui a reproché beaucoup de choses. On lui a reproché beaucoup de choses. Lui, yani à la base, c'était un salafi. Quelqu'un qui est vraiment yani, contre les mubtadi'a à 100%. Et pourtant, on lui a reproché des choses.
Tout dernièrement, yani Abdel Mohsen l'Abbad, dans un de ses livres, il a dit que vous pouvez prendre de lui après qu'on lui a corrigé ses fautes, etc. Wallah, c'est ce que j'ai entendu, mais on lui a reproché yani, d'avoir parlé sur ses des Sahaba, etc. Même si c'était pas ça mon intention. Non. Ismaïl Mouqaddem, je ne le connais pas. Abdelrahman Dimashqiya, je ne le connais pas. Je sais que c'est quelqu'un qui passe à la télé, qui parle sur les chiites, qu'il est exactement. Non. Je connais pas bien son minhaj. Et l'autre, je connais pas. Ismaïl. Tfadal. Non, Hadj Issa, Allah alam, Mohamed Hadj Issa, Allah alam, si c'est lui qui écrit dans le Majalat al-Islah, si c'est lui, c'est quelque chose de bien, c'est quelqu'un de bien, il écrit, Jazayri, reprends-moi, c'est pas Mohamed Hadj Issa, c'est pas celui qui écrit dans l'Islah, avec Cheikh Azdine, etc. De bien. Donc, question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Est-il permis de donner la zakat à un proche vivant en Algérie qui a contracté un crédit, qui a contracté un crédit avec intérêt auprès de la CNEP pour acheter une maison? Je mets dans l'intention de lui donner la zakat afin qu'il puisse rembourser ça auprès de la banque. Sachez que ce proche travaille, mais il ne s'en sort pas. Dans le passé, je lui ai donné ma zakat en me basant sur la fatwa qu'il est possible de donner la zakat à un proche endetté en ayant pour intention de payer la dette et non les intérêts. Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet et sur la validité de la zakat? Car aujourd'hui, j'ai des doutes, car cette personne continue à faire des crédits, par exemple, pour acheter un chauffage sous prétexte qu'elle n'a pas le choix. Tfadal cher. On pouvait donner la zec qui a un crédit, qui a fait un crédit de d'usure, il a dit à condition qu'il a fait la tauba. S'il n'a pas fait la tauba, je peux pas lui donner car je suis en train de l'aider à faire le haram. Vous comprenez? Voilà, lui, il va acheter un chauffage, il va acheter ceci, cela, et il va dire que et il va continuer dans le haram, donc moi je ne peux pas l'aider, lui donner la zakat. Je lui donne, naam, s'il a regretté ce qu'il a fait, il a dit je ne referai plus, jamais plus ça, c'est interdit, je ne savais pas, etc. Je regrette. Maintenant, on lui donne. Il a dit Cheikh Ibn Uthaymeen pour l'encourager. Pour l'encourager et qu'il dise Alhamdoulilah, les musulmans m'ont aidé, etc. Mais si lui il reste toujours dans l'usure, on ne peut pas lui donner la zakat, inshallah Cher, la personne qui a posé la question tout à l'heure sur les œuvres et l'innovateur, elle demande donc si un innovateur meurt sans se repentir, il meurt sans avoir de hasanat. Est-ce bien cela? Tfadal, cher. ta'ala. C'est pas obligé. Il est possible que cet innovateur ne soit pas une tête des innovateurs. C'est-à-dire, il fait des innovations, mais c'est un ignorant. Beaucoup d'ignorants, des innovations sans être des innovateurs. Ce n'est pas toute personne qui fait une innovation est un innovateur. Pas toute personne qui fait du kofr qui devient un kafir. Vous connaissez ça. Pas toute personne qui fait du kofr est devenue kofar. Et pas toute personne qui fait une innovation, c'est-à-dire que c'est une. Non. Même s'il est une tête, il est possible qu'auparavant, avant de devenir innovateur, il est possible qu'ensuite il est allé de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que yani, ses hasanats ont été annulés. Elles s'annulent s'il fait du shirk, non, et meurt avec. Une question suivante, question d'un frère. Alaykoum wa rahmatullah, cher. Ici en Algérie, nous rencontrons des problèmes pour éduquer nos enfants. Les écoles publiques ont beaucoup de défauts que vous connaissez.
hymne national, mixité, mauvaise fréquentation, etc. Les écoles privées sont bien, mais trop chères. Et les éduquer à la maison est possible, mais dur pour la femme si elle n'est pas arabophone. Comment et où devons-nous les éduquer de la meilleure manière possible? Barakallahu fikoum, cher. Tfada, cher. Donc la personne vient de le dire. Si c'est possible, c'est dans les mais privés qui n'est pas cher. À la maison, c'est très difficile pour la femme. C'est pas possible. Même pour l'homme, c'est pas possible. Tu restes avec lui une suite, trois, tu peux visiter. Pas le moindre mal. Choisir ou bien de le laisser analphabète, de le faire sortir de l'école et de le laisser, de faire de lui un analphabète. Ou bien de le laisser aller à l'école, mais de l'aider quand il vient à la maison, en lui disant que ça c'est haram et ça se fait pas, et comme ça, on lui corrige. Et comme a dit Allah Ta'ala, fattakullah mastata'tum, craignez Allah tant que vous pouvez. Et moi, c'est tout ce que je peux faire. Car j'ai, entre le laisser à la maison pour qu'il soit un analphabète, laisser aller, dire que la mixité et la musique et tout ce qu'il y a, c'est pas de ma faute. Ce sont eux qui l'ont imposé. Ce sont eux qui vont avoir des péchés au Qiyama. Si c'est pris dans, ou mis dans une école, il n'y a pas de mixité. Mais il n'y en a pas. Donc c'est pas à cause de laisse. Et ce sont eux qui vont endosser Yawm al-Qiyam. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis un frère de France. Je voudrais savoir si pour la Salat Jumu'ah, si je suis au travail, mais je n'entends pas le adhan, dois-je faire la Salat Jumu'ah en 2 raka'a ou bien le dhuhr en 4, comme tous les jours, ou bien me rendre obligatoirement à la mosquée, sachant que j'ai des dettes et que j'ai du mal à les payer. Frère ou plus, pouvons-nous faire la salat Jumu'ah sur place? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Muslim, est-ce que tu peux me dire quelle est la entre les dettes? Pourquoi il peut pas faire la salat du bois? Car il a dit j'ai des je dois payer les quittes. En fait, je pense qu'il veut dire par crainte de perdre son travail s'il s'absente au moment de partir à Salat al-Jumu'ah. Allahu a'lam, je pense que c'est ça le rapport. S'il n'a pas son vendredi de libre, qu'il travaille et qu'il s'absente pour la Jumu'ah, il risque de perdre son travail. Tfadha, cher. S'il était dans un pays musulman, il aurait quoi? Il aurait été yani, épargné. Vous voyez les fitnas dans les pays de Kofar. Ils te font la fitna même dans le din. Dans le din. Tu vas à Salat Jumu'ah, tu perds ton travail. Je lui dis, si jamais il part pas à la Jumu'ah et qu'il prie dans le travail, il n'a pas le droit de prier Salat Jumu'ah tout seul, ni deux, ni quand ils sont deux. Jumu'ah, déjà il y a le mot Jama'a, qu'il soit un groupe, qu'il faut qu'il soit un groupe. Un, deux, ça ne suffit pas. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Naam, cher, donc comme vous l'avez remarqué, il reste question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Je voudrais savoir, une femme est considérée en voyage à partir de quelle distance parcourue? Barakallahu fikoum. Et autre chose, on me demande concernant le hadith sur le martyr, sur le fait que celui qui a des dettes ne rentre pas au paradis. Est-ce que c'est un hadith daïf? Tfadha, cher. Moi, je n'ai jamais entendu ce hadith. Je connais le hadith. Le prophète a dit que les
Dommage, dommage, aujourd'hui ça coupe. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça coupe, mais est-ce que vous m'entendez? J'ai dit pas, dites, celui qui n'a pas payé ses dettes ne va pas rentrer au paradis. Je connais pas ce hadith. Je connais le hadith que le prophète Aslam a dit que yani Allah pardonnait aux martyrs toutes choses sauf les dettes. Et qu'une fois, il n'a pas voulu prier sur quelqu'un qui avait des dettes. Jusqu'à ce que un sahabi a dit qu'il m'en charge. Il avait un dinar ou deux dinars de dette. Mais celui qui dit qu'il ne va pas au paradis, il ne va pas aller au paradis, je ne connais pas ce hadith. Je sais que il dit il est mahbous. Mahbous, ça veut dire il va rester prisonnier. Un prisonnier de ses dettes jusqu'à ce qu'il les paye. Mais un hadith qui dit qu'il va être privé du paradis. Non. Ensuite, le temps, le cours est terminé. Inch'Allah ta'ala, mercredi. Surtout qu'aujourd'hui, le leçon. Donc, j'ai pas entendu la question de la distance. Tfadlal. Salam alaikum, cher. Je voudrais savoir, une femme est considérée en voyage à partir de quelle distance parcourue? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. N'y a pas chose d'explicite. Il n'y a pas quelque chose d'explicite pour la distance. Mais il est considéré comme voyage. Rentre dans. Si elle prend de l'avis de la plupart des savants, ils disent à peu près 80 km. Non. Si elle prend de mon avis, moi je suis convaincu par yani, un livre que j'ai lu comme ça et qui dit que c'est 25 km. Il dit 25 km, la personne est en voyage. Sinon, si elle prend de l'avis de la plupart, c'est 80. Wallahu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته